Jésus rejoint Thomas dans son incrédulité pour l'amener à la foi, il nous accueille aussi comme nous sommes, avec nos faiblesses et nos doutes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec nous. Accueillons la miséricorde de Dieu qui nous est renouvelée en ce dimanche particulièrement et dans cette célébration. Dieu nous fait don de la paix, fruit de sa résurrection, de son passage dans nos vies, dans notre monde, don de sa miséricorde. Nous ouvrons à cette miséricorde de Dieu au début de cette célébration, lui demandant de nous renouveler et de nous ouvrir à sa grâce, à la vie qu'il nous donne, à l'abondance, dans sa parole et dans le pain de vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je te connais toi, mon frère, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je t'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi, même frère, priez pour moi, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ravives la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, mais non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Acclamons la parole.
Frères et sœurs, bonsoir. La paix de ressuscité soit avec vous. Il est bon en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, de nous renouveler les vœux de Pâques et notamment d'accueillir cette grâce de la paix que le Seigneur nous donne, nous fait aujourd'hui. La paix, c'est le don de la miséricorde de Dieu que nous célébrons en ce dimanche tout particulièrement. Don de la miséricorde de Dieu, grâce de la résurrection, de la Pâque, du passage de Dieu dans nos vies, dans notre monde, dans notre humanité, dans notre histoire humaine, en Jésus-Christ, Dieu qui vient nous réconcilier avec lui, nous faire don de la paix, de son amour. Cette paix, c'est aussi le lien de la fraternité. Le lien de la fraternité qui nous unit les uns aux autres en tant que communauté de croyants. Communauté de croyants qui accueille la parole de Dieu pour en vivre, qui accueille le pardon de Dieu pour se le donner aussi les uns aux autres. Saint Luc, justement, dans le passage des Actes des Apôtres que nous avons écouté, nous dresse un tableau de rêve d'une communauté de croyants, des croyants qui n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. C'est la communauté parfaite, pourrait-on dire. Ils mettaient tout en commun, tout, les biens et les besoins. Ils partageaient aussi tout, les joies et les peines. Était-ce la force du petit nombre? Une telle aspiration peut aujourd'hui étonner, faire peur, peut-être nous déranger. Dans un monde marqué par l'individualisme et le matérialisme, et dans une église marquée par un éclatement confessionnel, catholique, orthodoxe, protestant, luthérien, calviniste, et de nouveau évangéliste, pentecôtiste, baptiste. En effet, il n'est pas facile d'entendre aujourd'hui ce langage de mise en commun des biens et d'unité. Unité difficile à réaliser, même à l'échelle individuelle, notre cœur étant souvent partagé. Unité difficile, car elle n'est ni conformisme, ni communautarisme, ni renoncement à la liberté individuelle. Le fondement de cette communion des cœurs réside dans la foi commune en Jésus-Christ et l'unité des esprits dans l'Esprit Saint. Ceci signifie que la communion chrétienne n'est pas la réalisation simple d'une idéologie humaine, mais la manifestation d'une transformation spirituelle résultant avant tout de l'attachement de tous les fidèles à Jésus-Christ comme leur Seigneur. Alors que nous mesurons toute la difficulté à donner de notre nécessaire, parfois même de notre superflu, ce texte vient nous faire prendre conscience de la grandeur du don inestimable que Dieu nous fait en Jésus-Christ et l'amour que Jésus manifeste pour nous dans le don de lui-même, le don de sa personne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait. Cet amour est la manifestation de la grande miséricorde de Dieu. Exemple parfait du vrai don, gratuité de l'amour qu'exprime le don, gratuité de l'amour qui nous a renouvelés. Dans sa lettre, Saint Jean nous fait une révélation joyeuse sur la nature nouvelle du chrétien. Cette nouvelle nature est issue du don de la vie en Christ. Et ainsi, le chrétien est né de Dieu, né de l'amour de Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu. C'est donc dans l'amour de Jésus-Christ
qu'il manifeste qu'il est vraiment enfant de Dieu. C'est dans cet amour de Jésus-Christ que le chrétien manifeste qu'il est vraiment enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Notre foi en Christ ne saurait être authentique sans l'amour de Dieu et des autres, réunis dans la personne de Jésus-Christ, homme et Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus-Christ renouvelle à ses disciples le don de la paix. C'est la grâce qui résulte de sa résurrection et de la miséricorde de Dieu. Le signe toujours vivant de ce don de paix est la venue de l'Esprit-Saint dans la vie du croyant. Jésus souffla sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit-Saint ». Mais on ne peut recevoir cette paix dans l'Esprit-Saint lorsque son doute enferme le salut de Dieu dans les réalités humaines, tangibles, dans le toucher, le voir et le sentir. Comment entendre ces textes aujourd'hui? La grâce de Dieu, disait Saint Léon le Grand, devient plus admirable lorsqu'elle fait que la foi ne doute pas, que l'espérance ne vacille pas, que la charité ne tiédit pas, alors qu'a disparu de la vue des hommes ce qui devait à bon droit leur imposer le respect. La grâce de Dieu peut nous renouveler dans notre foi et dans notre communion fraternelle, afin que nous soyons capables de dépasser nos différences et nos incompréhensions. Frères et sœurs, une communauté de croyants est heureuse en partageant les biens, et surtout les biens spirituels, la foi, l'espérance et la charité de Christ, le pardon et la paix de Dieu, et aussi les peines, les soucis et les souffrances. Et tout cela part de ce fond commun qu'est la foi. Celle-ci repose toujours sur le témoignage de ceux qui ont fait l'expérience du ressuscité. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit Saint Paul. La foi vient de ce que l'on entend. Elle vient de la parole et du témoignage. Nous avons vu le Seigneur. Et bien que la foi résulte d'un acte libre et individuel, le jeu de chaque croyant adhère au témoignage commun, à la fois partagé, et s'accorde au nous des premiers témoins. Nous avons vu le Seigneur. Elle naît du fait que l'on accepte de se joindre à d'autres croyants, d'ajouter sa confiance à la leur et de partager avec eux le bonheur de croire sur parole. Heureux, dit Jésus, ceux qui croient sans avoir vu. Nous pouvons en faire partie aujourd'hui, sans avoir besoin de faire l'expérience de Saint Thomas. Mais nous savons aussi que l'expérience personnelle du ressuscité nous est donnée par le Christ lui-même, lorsque cela est nécessaire ou utile pour conforter notre foi, soutenir notre espérance, notre persévérance dans l'épreuve ou notre traversée du désert. En attendant, nous sommes aujourd'hui ces gens du monde, ceux qui partagent la même foi, la même espérance et devons témoigner de la même charité du Christ à l'égard des hommes et des femmes de ce temps, afin qu'en nous voyant jaillisse de leur cœur ce nouveau témoignage, nous avons vu le Seigneur. Il est ressuscité. Alléluia. En effet, nous devons être, en tant que communauté chrétienne, la présence fraternelle du Seigneur en ce monde et dans notre société, pour que le bonheur de croire sans avoir vu soit partagé avec ceux qui recevront notre témoignage. Frères et sœurs, que la paix de ressuscité soit toujours avec vous.
Nous nous levons pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Ton pardon et ta paix. Viens au secours de ton peuple qui espère en ta
ta miséricorde, de tes enfants ici réunis, que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
par les moments de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tous les livres, dans sa passion, oubliez le pain, il rendit grâce, il le remplit, il le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et dans la terre, notre temps. Par ta miséricorde, viens nous pécher. Rassure-nous du mal de Dieu, en servant aux espoirs du bonheur de notre commun et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le ciel et le ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le dis à nous aujourd'hui, je laisse la terre, je me dors ma mère. Je ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Fils, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, donne à nos familles ta paix, donne à nos frères et sœurs malades ta paix, donne à chacun d'entre nous ta paix, et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en notre cœur. Nous te le demandons à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons eu nos pensées et un merci de la paroisse de Fernand de Passau, décédé. Une messe en mémoire de sa mémoire sera célébrée le samedi 29 mai à 10h30 à Saint-Séphorien, en Belleville. Nous t'invitons à partager cette information. C'est une paroissienne que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Elle venait souvent dans cette même église le samedi pour la messe dominicale. Et en raison de la situation, les obsèques n'ont pas pu être célébrées comme il se devait à l'église. D'où cette proposition de célébrer une messe en sa mémoire le samedi 29 mai. Merci. Et nous la confions, ainsi que tous nos frères et sœurs défunts, ceux pour qui nous avons prié au cours de cette célébration, ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous les portons tous à Marie, notre mère, dans son intercession, qu'ils puissent reposer dans la paix du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous invite à présent à accueillir cette bénédiction solennelle qui renouvelle en nos vies, en nos cœurs, la miséricorde de Dieu, sa paix et son amour. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut et la paix de vous, ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ, vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche, la miséricorde, bonne semaine.